Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose d'être ponctuel. Trois de nos collègues ont donné procuration. Patrick Fèvre a donné procuration jusqu'à son arrivée à Marie-Hélène Chipot, qui l'accepte. Véronique Pierron a donné procuration à Christine Fléchon-Paglia. Et Cyril Perrault a donné procuration à Charles-Antoine Boivin. Sans tarder, je vous propose de désigner une secrétaire de séance qui pourrait être Stéphanie Texera. Pas de souci particulier. Le compte-rendu de la séance précédente du Conseil ayant été envoyé, à mon point de vue, un peu tardivement, je vous propose de l'approuver à la prochaine séance où nous passerons les deux comptes rendus, celui de la séance précédente et celui de ce soir. Ce qui fait que, sans plus tarder, je vais passer la parole à Pascal Jacquemin et Stéphane Klopp pour les rapports annuels d'activité, mais peut-être une petite introduction. Pour resituer ces rapports, parce que ce sont à la fois des rapports qui nous parlent de notre proximité, et dans beaucoup d'entre eux, on retrouve des sujets qui nous préoccupent au quotidien. Mais ce sont aussi des rapports qui, s'ils passent dans les communes, servent à témoigner d'une chose, c'est que notre intercommunalité, quelle qu'elle soit, comme toutes les intercommunalités, n'est finalement que la mise en commun volontaire d'un certain nombre de nos compétences municipales pour les exploiter mieux, de façon plus efficiente, de façon moins coûteuse en certains cas, de façon plus cohérente au sein d'un même territoire. Il y en a quelques-unes là-dedans qui sont tout à fait évidentes, parce que, bien sûr, qu'on ne ramasse pas les ordures ménagères en découpant, en respectant les tranches découpage, d'ailleurs, de la commune de Vidé par rapport à ses communes voisines. Ça paraît tout à fait évident. Bien sûr qu'on ne les retraite pas non plus au niveau d'une commune comme la nôtre. Ça tombe sous le sens. Mais aussi, et on le sait, mais on le dit... Enfin, on le dit, mais on ne réfléchit pas toujours suffisamment à ce que ça représente. Nous sommes aussi la métropole française qui a délégué le plus de ses compétences les communes de cette métropole sont celles qui ont délégué le plus de compétences à leur métropole. Ça témoigne de plus que la volonté d'avoir une forme de groupement d'achat, encore une fois, de système plus cohérent. Ça témoigne de la volonté de dire que nous sommes un seul et même territoire cohérent, que ce territoire peut et doit s'exprimer et se développer globalement. Que quand je vois de temps en temps, si vous le croisez, quelques-uns doivent le croiser plus que moi, tel ou tel maire qui s'obstine à dire « je suis l'aéroport de Tomblaine », hein, on va le dire. Franchement, est-ce que quelqu'un imagine une seule seconde qu'il y aurait un aéroport à Tomblaine ? Non, il y a un aéroport à Nancy, qui se trouve être à Tomblaine. C'est comme si je disais, j'exige qu'on dise que toujours, partout et à l'étranger, on dise le jardin botanique de Villers-les-Nancy. Ben non, c'est le jardin botanique de Nancy qui se trouve être sur le territoire de Villers-les-Nancy. On n'aurait pas de jardin botanique si on était tout seul. Voilà, donc pourquoi je commence par cette boutade, qui en reste une malgré tout, ça ne pose pas de difficultés majeures, c'est que ça suppose aussi que la métropole ne soit pas que la métropole, d'une part. Ce qui a pu, c'est un peu moins le cas, on se rend compte maintenant dans
dans l'évolution du temps, ce n'est pas un problème d'étiquette ou de titulaire, c'est plus un problème de moment, que la métropole est mieux identifiée comme un lieu de partage politique au sens le plus noble du terme, et pas à quelque chose qui avance tout seul, sous la force d'un exécutif qui déciderait de tout, tout le temps. Mais c'est aussi de bien prendre en considération que la métropole n'est pas non plus seulement un outil au service d'une politique ou d'une action, on va plutôt dire une action, qui serait uniquement cette fois portée par la ville-centre. Ça, c'est un danger. Et là aussi, c'est un danger qui guette à tout moment, pour une question non plus d'étiquette. Si en revanche, je le rappelle avec un petit peu plus de clarté ou de fermeté, c'est que je vois se développer une idée qui me tient beaucoup à cœur d'ailleurs, qui est celle de la mutualisation des services. C'est très important la mutualisation des services. Mais on pense toujours que la mutualisation des services, c'est pour faire des économies. C'est pas vrai. D'abord parce qu'en général, c'est pas le cas. Mais deuxièmement, parce que si on mutualisait les services uniquement pour faire des économies, franchement, ce ne serait pas très intéressant. On mutualise les services pour mieux travailler. On mutualise les services pour transversaliser la pensée et l'action derrière. Et on mutualise donc les services. Donc on ne peut mutualiser les services que si on le fait de façon complètement collective, en faisant en sorte que chacun s'y retrouve. Dans certaines mutualisations de services, si vous prenez certaines toutes petites communes de la métropole, il y en a, vous allez mutualiser des services qui n'existent pas. N'imaginons pas qu'il y a un directeur juridique à Dormartemont. Et donc, Dormartemont, quand il y a un problème juridique, c'est compliqué. Donc ça, c'est évidemment une première vision. Mais il y a aussi d'autres visions qui permettent de mettre en commun, quand on va demain mettre en commun notre planification urbaine avec le PLUI, avec le PLUI, il y a probablement un certain nombre de réflexions autour de ce PLUI qui peuvent mériter réflexion et travail sur la mutualisation. Mais il faut le faire tous ensemble. Il faut le faire tous ensemble. Aujourd'hui, je trouve, je l'ai dit d'ailleurs au maire de Nancy, je l'ai dit aussi au président de la métropole, j'ai économisé un déplacement, je trouve que les mutualisations qui se conduisent aujourd'hui exclusivement entre la commune de Nancy et la métropole du Grand Nancy ne sont pas la bonne méthode pour mettre en commun un certain nombre de préoccupations, un certain nombre d'actions, un certain nombre de politiques. Depuis 3 ans, nous n'avons pas gagné 1 mètre de piste cyclable. C'est extrêmement regrettable. C'est extrêmement regrettable. Et ce n'est pas faute. Je regarde Stéphane, avec qui on fait souvent, et Gérard, quelques autres, avec qui on prend souvent des crayons. Ce n'est pas faute que notre comité mobilité, que nos propositions ne soient remontées. Nous avons beaucoup de propositions dans les tuyaux. Alors, je veux bien entendre qu'un certain nombre de ces pistes pourront voir le jour au moment de la mise en œuvre du plan métropolitain des mobilités. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Et je n'ai pas le sentiment, je le dis sur ce sujet, mais je pourrais le dire sur d'autres, mais je tiens à le dire sur celui-là particulièrement, que nous ayons été sur le dessus de la pile. Et je pense que ces grandes décisions, ces grandes politiques, sont des politiques tout à fait majeures, sont des politiques totalement métropolitaine, on se doute bien qu'on ne va pas faire des pistes cyclables uniquement pour aller d'un bout à l'autre de ville. Je pense que rapidement les usagers nous diraient que ça ne leur convient pas.
Voilà, aujourd'hui, je pense que la voix des communes, au sens large, doit être plus et mieux entendue, et a fortiori, si on veut, ce qui est mon cas, continuer d'avoir une politique toujours plus intégrée, toujours plus partagée, toujours plus concertée, toujours plus mise en commun. J'ai fait partie de ceux qui ont vigoureusement porté une modification du travail de planification des opérations de voirie. Voilà. La voirie ne se fait pas que sur le territoire d'une commune. La voirie concerne l'ensemble des usagers, dont beaucoup ne sont pas de la commune. En revanche, j'ai été moins entendu sur ce même sujet, sur la question de la planification de la voirie. Quand même un tout petit peu dommage d'avoir eu un chantier qui a été interrompu pendant un certain nombre de mois parce que nous n'avions pas, le chantier ayant été engagé, mais ne pouvant être terminé parce que nous n'avions pas fini de planifier la voirie. Mais en revanche, sur le principe de la mise en commun et d'avoir une décision plus collective sur les opérations de voirie, pour ma part, j'y reste et j'y suis et j'y resterai favorable, sous la réserve, encore une fois, que toutes les communes bénéficient de la même attention. Et je resterai sur ce sujet cyclable, par exemple, pour ne pas paraître faire de la résistance ou faire le refuse-nique. Ce n'est pas du tout ça l'esprit. L'esprit, au contraire, est de se dire qu'on peut et doit toujours mieux travailler, mais encore faut-il que toutes les voix aient la même portée. La parole est à Stéphane Klopp ou Pascal Jacquemin? C'est le développement durable, donc c'est Stéphane Klopp. Ah, le rapport d'activité, alors qui est pour Pascal Jacquemin, d'accord, pardon, excusez-moi. Alors, effectivement, pour rappeler tout d'abord que c'est l'article 2224-5 du Code général des collectivités territoriales qui, effectivement, oblige en quelque sorte de présenter, de par son président et par les mairies faisant partie de l'Interco, le rapport annuel sur un certain nombre de choses. Donc ce soir, rapport d'activité, il y aura l'eau et il y aura le développement durable et les déchets, hein, c'est ça. Donc si vous voulez, alors déjà pour commencer, parce que comme il y a des nouveaux élus, je suis pas sûr que les uns les autres aient déjà, je vais demander de faire circuler ce rapport d'activité, je l'ai en plusieurs exemplaires, pour que les uns les autres puissent voir ce que c'est de visu, ce que c'est un rapport d'activité. Il va être développé sur l'écran, mais en partie simplifié. Parce que ce rapport de 2021 comporte quand même 84 pages, ce n'est pas rien. Donc je vais essayer aussi de ne pas être trop long. Il reprend un certain nombre de points importants, mais surtout précise un certain nombre de priorités de la métropole. Alors on ne va pas y venir tout de suite là-dessus, c'est dans l'entrée. Eux, ils parlent de la transition écologique, solidarité et attractivité, on y reviendra, de ce bassin de 56 000 habitants. Ce qui est 560 000 habitants, excusez-moi du peu quand même. Ça a quand même fortement augmenté. Et c'est aussi, comme l'a dit le président, c'est vrai qu'il a été une des premières interco les plus concentrées, mais aussi une des plus anciennes interco de France. C'est intéressant de constater qu'on traite de prime abord de la culture comme de lien permanent, de la démocratie participative comme axe majeur, ce qui semble de bon augure au vu de ce qui se fait dans la région. Ceci pour le P2M, on y reviendra, le projet de diversification de la ressource en eau, le rappel du C3D, alors C3D c'est développement durable, hein, et du CVE, alors c'est le conseil de la vie étudiante. J'essaie de traduire un certain nombre de sigles parce qu'ils deviennent de plus en plus nombreux. Rappel ensuite du sillon Lorrain, pour promouvoir l'attractivité du territoire concerné dans ces transitions, qu'elles soient digitales ou écologiques, voire, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le livre blanc des mobilités Lorraine. Alors, on dessine la métropole, on ouvre de nouvelles compétences qui leur sont offertes, et à ces métropoles, aussi sur l'Europe, le reste du monde, et ces leviers donnent ce que vous avez là, c'est-à-dire les points essentiels qui sont présentés dans ce rapport, une métropole active dans son développement économique,
puisqu'il y a une nouvelle agence de développement. Je vous rappelle qu'on est en 2021, hein, j'effleure à peine 2022, mais on en parlera peut-être. Nouvelle agence de développement économique, l'OR UP, c'est une équipe déjà de 18 personnes qui a été composée. On a réalisé ce dont on parlait très peu auparavant, de tournage de films, certains d'entre vous en ont peut-être vu, de certaines campagnes de promotion, achetées Grand Nancy, et de l'exonération et des aides aux entreprises. Voilà. Côté innovation numérique, eh bien, il y a l'Orbor, l'épicentre de la FrenTech Est. Alors, c'est la FrenTech de l'Est du Grand Nancy. Et puis également aussi la collecte mutualisée des D3E. Alors, je traduis, c'est déchets, équipements, électroniques, électriques. Voilà. Il est rappelé alors que les grands projets de la métropole que vous connaissez sont toujours présents pour un certain nombre. Celui de Nancy Thermal, qui achève son gros œuvre. Théoriquement, on devrait voir l'ouverture en 2023 si rien ne s'y oppose. Et ceux qui passent par le secteur du conseil départemental savent ce qu'il en est. Nancy Gare, qui a recruté un urbaniste pour tenter de récupérer les erreurs d'intégration antérieures de cet espace minéral pour le rendre plus dynamique. On verra. Cela nous amène à parler de l'aquapole. Vous savez que c'est un véritable problème, l'eau sur Nancy, dans différentes formes de présentation. En tout cas, c'est une volonté d'être complémentaire d'une nouvelle vision des espaces aquatiques existants et en cours de place, thermale, qu'on a parlé, la plage des deux rives, c'est la deuxième année d'expérimentation, et ça marche plutôt bien, et le Lido, voilà. Quant aux autres, j'entrerai pas dans le détail, puisqu'en 2021, ils n'en parlent pas. Le sport, la culture et les loisirs font partie de l'attractivité dont les objectifs sont variés par, il y a une charte du sport en 2021, soutien au sport de haut niveau, aux grands événements sportifs, dont l'Open Grand Nancy, et puis aussi Villers, futur de Lorraine, du mois de novembre. Et puis, ça s'adresse, cette attractivité, à des points nodaux importants, comme le Zénith, le golf Nancy-Pulnois, le camping de Nancy-Brabois. Au niveau de cette attractivité, il y a aussi la richesse de l'innovation des cultures scientifiques et techniques, qu'elles soient muséales ou horticoles, puisqu'on parlait du jardin botanique. Cela nous amène à une métropole de proximité. De proximité par, en quelque sorte, une concertation au cœur des travaux de voirie. J'espère que mon collègue Gérard approuvera ce que je dis. C'est le rapport 2021, Gérard. De l'éclairage urbain, de la déviation de Malzéville et la mise en place de 11 référents de territoire. Ces concertations ont eu lieu avec les communes et permis de réaliser une baisse de 8,2% de la consommation énergétique et de réaliser des opérations ponctuelles de voirie. Et puis, ça se traduit aussi par un ramassage des déchets dont le tri progresse. Les études d'optimisation se poursuivent. Je ne m'attarderai pas trop sur le point, puisque mon collègue Stéphane vous en reparlera. En tout cas, en rappelant simplement, parce que je ne sais plus si tu en parles, en vous rappelant que la collecte des encombrants se fait, se fait maintenant sur demande du citoyen, c'était à l'étude, service plus adapté, plus vertueux, mais désormais payant. Cette proximité se fait par une gestion durable des espaces verts. On a toujours un œil sur le Grémillon, ce petit ruisseau nerveux de l'est de l'agglomération. On a eu la création d'une grainetière au parc de Montaigu. Alors Montaigu, c'est le château Jarville, pour échanger les graines selon une charte qui s'élabore. C'est nouveau, c'est intéressant, complétant une sélection des arbres pour des essences plus résistantes. Ainsi, il est rappelé, poursuivre, que notre métropole, tout doucement, se transforme, et à mon avis, on n'est pas prêt d'arrêter cette transformation. Sur les mobilités, le P2M qui indique un changement radical de stratégie en matière de transport. On l'a vu pour le choix du trolleybus électrique, sur le plan piéton, le plan vélo. Alors, tout ceci sur plusieurs axes. C'est vrai qu'il y a maintenant la gratuité des transports les week-ends. On peut circuler en toute sécurité, du moins c'est ce qu'on essaye de faire. Et le plan vélo et son plan se développent
Alors, je ne sais pas, effectivement, si aucun kilomètre n'a été gagné. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les Nancéens ont quand même l'impression que le vélo prend de plus en plus de place dans ces agglomérations au fur et à mesure de nos circulations au niveau voiture. Et bon, le vélo a pris 592 places qui ont été créées. Et il y a toujours deux systèmes de location qu'on essaye de faire vivre au mieux, et de mieux en mieux d'ailleurs, puisque la stratégie ne s'arrête plus désormais, vous l'avez vu, à la métropole et à Nancy pour les vélos. Maintenant, ils s'installent un peu partout, même dans les communes aux alentours. Donc, nous savons aussi pédaler. Et puis, la métropole se transforme. Agir ensemble pour le climat, pour la protection du climat. Alors, on retrouve sur les mutualisations, marché groupé pour le gaz et l'électricité, en 2021 déjà, mais qui, à mon avis, en 2022, voire 2023, va prendre sa véritable utilité. On va continuer à progresser sur des domaines importants, comme la circulation différenciée selon les pics de circulation, comme les récupérateurs d'eau de pluie qui continuent à être pour lesquels on donne toujours une prime, et les certificats d'énergie qu'on négocie également. Ce rapport montre la nécessité de réaliser un équilibre entre un urbanisme continuant à progresser de façon non contrôlée et boulimique de superficie pour le mettre en conformité avec une véritable valorisation de la nature. Valorisation de la nature. Je vous conseille au passage de voir le nouveau parc des fortifications près de Loritz. J'en frémis un peu, hein, mais je vous conseille d'aller le voir parce que vous verrez ce qu'on a fait sur ce qu'on appelle les nouveaux parcs urbains. Enfin, je pense que c'est pas de, ça doit remonter avant. Hein, mais la place de l'arbre, en tout cas dans notre agglo, au vu de ce que j'ai vu, n'est pas gagnée, loin de là. Tout cela pourra se faire et progresser si nous sommes une métropole solidaire. Dernier point. Alors, la solidarité s'exprime sur un certain nombre de domaines. Le plus connu, bien sûr, vous vous en doutez, c'est le logement. Les programmes de construction sont toujours élevés, malgré la baisse de population. Il y en a qui m'expliquent que c'est normal, mais je n'ai pas toujours compris. On semble penser cette fois aux personnes sans domicile fixe. C'est un nouveau plan d'insertion de cette catégorie de la population. Je pense que c'est louable. Je ne sais pas ce que cela va donner. En tout cas, l'implication des bailleurs sociaux est nécessaire et semble montrer une forte implication vis-à-vis des dispositifs consécutifs à l'abattement de la taxe foncière. Cela va dans le bon sens, bien sûr, d'une amélioration de l'habitat à la fois privé et public, mais aussi avec un appui de plus en plus à l'accession à la propriété. Ça, c'était 2021. 2022 a certainement modifié considérablement ses capacités, mais il faut à tout prix qu'on puisse les retrouver pour permettre aux jeunes couples de continuer à s'insérer dans le tissu urbain. Les différents projets de la rénovation urbaine sont rappelés au profit de la mixité sociale, d'un ANRU nécessaire, quelquefois contesté ou contestable, avec son NPRU en cours, et cela est accompagné de différentes stratégies sur la politique de la ville concernant la santé et la cohésion sociale. Et là, on rappelle le Fonds de solidarité logement, soutien aux investissements étudiants. Alors, c'est au niveau des investissements financiers. Je pense que malheureusement, il faudrait peut-être aussi qu'il y ait, il serait plus judicieux de contribuer à retaper les logements des étudiants. Mais ça, c'est du ressort de l'État et du CROUS, mais c'est quand même, ça m'apparaît important. Le corollaire est aussi celui de la sécurité et de la prévention des risques, qui est aussi mis en place. Et puis, le dernier chapitre fait le bilan des ressources de la métropole, que je vais vous rappeler rapidement. En l'occurrence, 1356 agents, 49 apprentis, 147 métiers, 6,23% d'handicapés embauchés, c'est pas rien. On a toujours un fort déséquilibre hommes-femmes, 900 hommes pour 460 femmes. Cela relève encore de la nature peut-être sexuée des métiers. Cependant, l'égalité et la mixité professionnelle des services progressent. La lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles aussi. On met aussi en valeur le pôle animalier du bois de haie qui se renforce. Tout cela, bien sûr, s'accompagne d'un bilan financier
par des présentations claires que je vous laisse consulter, mais qui ne sont pas le propos de ce soir et du rapport en lui-même, mais sans finances, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà, mes chers collègues, ce que j'ai voulu vous dire en peu de temps sur un rapport relativement épais et intéressant. Voilà, monsieur le maire. Merci, Pascal, de cette belle synthèse. Je vous propose de passer les autres rapports avant d'ouvrir un débat global. Stéphane. Donc sur le rapport de développement durable, plusieurs grands axes de travail. Donc d'abord, la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l'atmosphère, avec l'élaboration d'un nouveau PCAET, Plan Climat Air Énergie Territoriale, l'organisation d'une COP territoriale, conférence des parties, et depuis le 1er juin 2021, le dispositif Critère, qui permet de mettre en place une circulation différenciée, donc une interdiction des vignettes Critères 4 et 5 à la circulation, entre 6h et 20h, les jours de pic de pollution. Ces mêmes jours, les transports en commun sont mis gratuitement à disposition de la population. Les bennes à ordures passent au gaz naturel. L'adoption également du P2M en 2021, plan métropolitain des mobilités, avec un réseau de transports en commun sur 5 grandes lignes et des investissements cyclables sécurisés. Une mise à jour du schéma directeur du chauffage urbain, avec notamment le raccordement des cliniques Gentil et Majorelle, le remplacement de chaudières métropolitaines, la réalisation de diagnostics énergétiques de bâtiments métropolitains, la réalisation de marchés groupés d'achat de gaz et d'électricité. Le deuxième axe est la préservation de la biodiversité des milieux et des ressources, avec le lancement d'une étude de valorisation des coteaux, notamment des projets agricoles, dont un qui pourrait se tenir sur Villers et Nancy avec le secteur Ardeval. L'expérimentation d'une forêt urbaine de 5000 m² dans le secteur de la Méchelle, sur Nancy et Tomblaine, la signature d'un contrat territoire eau et climat avec l'agence de l'eau pour une gestion durable des ressources d'eau potable pour la période 2021-2024, un financement de la restauration des cours d'eau par la taxe GEMAPI, l'obtention d'un label territoire engagé pour la nature et le lancement de l'atlas de la biodiversité métropolitain, donc il va permettre un état des lieux exhaustif de la faune et de la flore sur le territoire métropolitain. Le troisième axe est l'emploi, la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations. Donc quelques exemples, la lutte contre le sans-abrisme, la lutte contre la précarité numérique, la création d'un village de l'insertion avec l'association ARS, la lutte contre la précarité étudiante avec par exemple des aides ponctuelles au logement chez l'habitant pour les périodes d'examen par exemple, la mobilisation contre les violences faites aux femmes et la coopération internationale avec notamment un dispositif d'assainissement au Sénégal, par exemple. Le quatrième axe est l'épanouissement de chacun dans un cadre de vie satisfaisant, avec une poursuite du travail sur le PLUI, un nouveau dispositif pour les certificats d'énergie, une mise en place d'une concertation sur le projet Rive de Meurthe Nord, des chantiers de rénovation urbaine avec l'ANRU, une visite inaugurale du nouveau pôle animalier du Grand Nancy à Velaine-en-Haye, donc avec une partie fourrière, une partie refuge et une nouveauté, une pension au niveau de la métropole qui remplace la pension de la ville de Nancy qui se trouvait sur Saint-Max. Donc voilà une offre complète pour la santé animale. La santé au plus proche pour les humains cette fois-ci avec la mise en place des points de vaccination pendant l'épidémie de Covid. Le cinquième axe est la dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables, avec notamment l'installation de l'Agence de développement économique qui regroupe 13 intercommunalités du Sud 54 pour accompagner l'économie locale et la promotion du territoire, basée à Villers-les-Nancy. Le lancement de la plateforme achetezgrandnancy.fr pour favoriser le commerce local ou encore un marché de Noël zéro déchet. Et enfin, donc, le sixième et dernier axe, informer, accompagner, faciliter les démarches qui s'appuient sur la maison de l'habitat et du développement durable et sur la LEC notamment pour la rénovation énergétique des logements, la qualité de l'air et la sensibilisation entre autres des professionnels et des scolaires. Le rapport suivant, je ne sais pas si c'est l'eau oui, ou les déchets. Je pense que tu peux enchaîner. Le suivant, c'est l'eau potable et l'assainissement. Alors, effectivement, nous continuons sur ces rapports. Il y en a un qui peut circuler, si vous le voulez,
Comme ça, vous verrez un peu quel est le contenu. Il est un peu plus léger, mais il est quand même important, parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Et vous le savez, si à un moment donné, il y a un dénommé MacMahon qui a dit « que d'eau », on commence à se poser de sérieuses questions sur la possibilité d'alimenter nos zones urbaines. Alors, c'est l'article en question que je vais vous lire, je ne vais pas le relire. Les données essentielles de ce rapport que je vais vous résumer rapidement, c'est surtout sur les consommations d'eau. Les consommations d'eau, le volume d'eau consommée en 2021 s'établit à 14,15 millions mètres cubes contre 14 millions de mètres cubes en 2020. Bon, comme vous le voyez, au niveau des chiffres, c'est relativement stable, tout comme le nombre d'abonnés, d'ailleurs, qui est de 62 700, qui corrobore un peu sur ce que je disais sur le nombre d'habitants qui évolue peu dans notre agglomération. Ce volume d'eau potable comprend celui vendu à l'extérieur du périmètre du Grand Nancy, soit 655 000 mètres cubes contre 677 000 mètres cubes en 2020. Les plus importants clients situés hors du territoire métropolitain sont la communauté de communes de la Seille et Mouchère, le Grand Couronné, la communauté de communes de Moselle et Madon et les brasseries de Champigneux. La production d'eau potable. En 2021, 16,8 millions mètres cubes ont été produits à partir de l'usine Édouard Imbeau, valeur la plus faible depuis 10 ans. La production moyenne s'établit ainsi à 46 000 mètres cubes par jour. Le coût d'exploitation des installations confiées à la Société Nancéenne des Eaux s'élève à 3,28 millions euros, en hausse de 4,8% du fait de la revalorisation significative des indices de prix. C'est sûr que l'augmentation des niveaux de vie explique disons, ces modifications, mais elle s'explique surtout par, on y reviendra, le dégrillage et le tamisage. La qualité de l'eau. Plus de 1600 prélèvements ont été réalisés en 2021, donnant lieu à l'analyse de 63 000 paramètres. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut, en cumulant le contrôle réglementaire et l'autocontrôle. Le nombre de paramètres analysés est en nette hausse, vous l'avez entendu, et c'est ce qui fait que c'est plutôt bien et rassurant sur l'évolution de la liste des pesticides et métabolites de pesticides qui sont recherchés dans les ressources en eau. Le rapport annuel établi par l'Agence régionale de santé fait état d'une eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. Le taux de conformité des analyses est de 100% en sortie de l'usine de production et sur le réseau de distribution par les paramètres microbiologiques et physico-chimiques dont je vous ai parlé. La gestion des réseaux d'eau et d'assainissement. À partir des trois centres techniques de la métropole, les services de la métropole assurent l'entretien du réseau d'eau potable, 974 km de canalisation et 24 km d'aqueduc. Et celui du réseau d'assainissement, et là, vous avez 1416 collecteurs, ce qui n'est pas rien. Le rendement du réseau de distribution d'eau potable s'établit à 86%, valeur bien supérieure à la moyenne nationale qui est estimée à 80%. Les services de la métropole maintiennent depuis plusieurs années ces excellents résultats grâce à de nombreuses actions de maîtrise et de perte. Pour la petite histoire, sachez-le, notre intercommunalité s'est réalisée sur le fait qu'à un moment donné, des communes se sont regroupées pour le traitement des eaux. C'était le début de l'intercommunalité qui est devenue métropole. Pour entretenir le réseau d'assainissement, des services ont curé environ 87 km de collecteurs et 13 800 bouches à valoir dont ils ont extrait près de 1600 tonnes de sable, ce qui n'est pas mal pour faire des châteaux. De plus, près de 6 500 interventions de maintenance ont été réalisées sur les bâtiments, installations hydrauliques et électromécaniques,
automates et capteurs des réservoirs, stations de pompage d'eau potable, bassins de rétention, postes de relevage et déversoirs d'orage des eaux usées. Les travaux de renouvellement du réseau ont porté sur 3,6 km de canalisation d'eau potable, c'est 2021, hein, soit 0,37% du linéaire, c'est pas grand-chose au total, mais ainsi que sur 4,6 km de canalisation d'assainissement, soit 0,48% du linéaire total. Les installations de traitement des eaux usées, la station d'épuration de Maxéville a traité un volume de 30 millions de mètres cubes en 2021, soit en moyenne 82 500 mètres cubes par jour. Ce volume est en hausse de 7,9% par rapport à 2020, hausse liée à la pluviométrie 2021. Je suis sûr qu'en 2022, on n'aura pas le même commentaire. Les rendements épuratoires sont stables et conformes sur l'ensemble des paramètres à l'arrêté préfectoral d'autorisation de rejet. Le coût annuel d'exploitation des installations confiées à Sovem s'élève à 7,19 millions, en hausse de 7,5% en raison de la hausse des volumes d'eau usée et des charges à traiter, conjuguées à une revalorisation des indices de prix. Le chantier de réalisation des nouveaux ouvrages qui vont permettre de digérer l'ensemble des boues biologiques et de valoriser le gisement d'énergie renouvelable du site par injection du biométhane dans le réseau GRDF s'est poursuivi tout au long de l'année 2021, notamment avec la construction de deux nouveaux digesteurs. La tarification et les éléments financiers. En 2022, le prix de vente s'élève à 3,6531 TTC par mètre cube, contre 3,5751 TTC par mètre cube en 2021, soit une hausse de 2,18%. La part de la fourniture d'eau et de la redevance assainissement revenant à la collectivité est de 2,7324 TTC par mètre cube. Les évolutions appliquées ces 10 dernières années sur cette part sont cohérentes avec l'évolution de l'indice des prix à la consommation et permettent de maintenir l'effort d'investissement sur les grandes infrastructures d'eau potable et d'assainissement, dont le projet de sécurisation de l'alimentation en eau grâce à une seconde source qui est épuisée au niveau de la Meurthe. La poursuite du déploiement du radio-relevé des compteurs d'eau qui a été engagé en 2020 se poursuit. L'amélioration des ouvrages de traitement et de collecte des eaux usées, nouveaux digesteurs sur la station d'épuration, et la poursuite du renouvellement des réseaux. Les redevances perçues par VNF, Voies Navigables de France, et l'Agence de l'eau Rhin-Meuse évoluent à la marge en 2022. Au niveau du compte administratif, les données sont les suivantes. Le budget eau, en fonction 29 099 de dépenses réalisées, et 40 065 de recettes encaissées. En investissement, 8,8 millions d'euros de dépenses et 0,75 millions de recettes. Quant au budget d'assainissement, en fonctionnement, 21 061 de dépenses réalisées et 24 090 de recettes encaissées. En investissement, 11 057 millions d'euros de dépenses et 1 037 de recettes. Alors, c'est vrai qu'on dépense peut-être beaucoup en investissement d'assainissement, mais ça vient des digesteurs qui sont relativement au niveau du coût élevé. Les recettes de fonctionnement permettent de poursuivre en tout cas l'effort d'investissement sur les grandes infrastructures d'eau potable comme le futur captage d'eau brute dans la Meurthe dont j'ai parlé, et le renouvellement des réseaux structurants, refoulement de l'usine Édouard-Imbault vers le réservoir Bellevue, collecteur de liaison Ambany-Marcel Brault, sous la Meurthe. Par l'amélioration des performances et l'optimisation énergétique de la station de traitement des eaux usées, par la réhabilitation d'ouvrages comme le barrage de Méréville, le réservoir et de Bourgard, le déploiement du radio-relevé des compteurs d'eau, dont vous avez peut-être été aussi bénéficiaires, les outils de mesure et de modélisation des réseaux préalables à l'établissement d'un nouveau schéma directeur d'assainissement.
Et enfin, le renouvellement des installations et des réseaux. Voilà, monsieur le maire. Merci Stéphane pour les déchets. Sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, tout d'abord les événements marquants. Alors, une poursuite de la progression des comportements vertueux des grands nanciens en matière de prévention et de recyclage, puisqu'on a une évolution importante des tonnages des différents flux. Sur le tonnage des emballages, donc les recyclables, on est à plus 24%. Les tonnages récupérés en déchetterie, plus 17%. Alors que le tonnage d'ordures ménagères, lui, est assez stable à plus 0,6%. Donc le tonnage global total de déchets collectés a augmenté de plus 7,5%. De nouvelles actions de prévention. Alors déjà un bilan du PLPDMA, donc le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, sur la période 2018-2020, et donc ce bilan était en cours en 2021. Le démarrage de l'opération couche lavable foyer, le premier défi zéro déchet et un premier marché de Noël zéro déchet. Au niveau des déchetteries, donc démarrage de la rénovation de la déchetterie de Ludres en 2021 toujours, de nouveaux partenariats avec l'association Ben ID, soutien financier sur un projet de recyclerie, donc ce qui permettra aux gens de déposer des objets qui pourraient resservir et puis également récupérer des matériaux ou des pièces de rechange. Avec l'association Dynamo sur l'accompagnement au développement des ateliers participatifs de réparation de vélos, avec Lorraine Énergie Renouvelable pour une récupération des bouchons de liège en déchetterie pour les utiliser comme isolants. Un meilleur tri de la benne d'hiver par la présence d'un second gardien sur les déchetteries de Nancy, Ludres, Essay, Maxéville et Malzéville en période haute et le démarrage d'une étude d'optimisation du réseau des déchetteries. De nombreux projets sont en cours, avec la validation par les élus d'une collecte des encombrants sur appel, en remplacement de la collecte annuelle. Je rappelle que ce qui était collecté en porte-à-porte sur la journée des encombrants était enfoui, sans aucun tri de ce qui était jeté. Un travail sur la formation incitative et une réponse à l'expérimentation nationale WIPUB. Donc le WIPUB, c'est ce que vous pouvez coller sur votre boîte aux lettres si vous souhaitez recevoir les prospectus. Deuxième point, la prévention. Alors, sur la prévention, donc, on voit qu'une augmentation du compostage à la fois chez les particuliers et des points de compostage partagés. 811 tonnes de compost ont été restituées aux habitants. Donc, ça, c'est possible aussi par l'augmentation des dépôts de déchets verts en déchetterie, qui sont donc transformés en compost et restitués à la population. Le développement des repair cafés, avec 14 repair cafés actifs. Qui ont repris donc leur activité suite à la pandémie. L'objectif pour 2026 est de monter à 20 ateliers sur l'ensemble de la métropole. Une poursuite des actions avec une lutte contre le gaspillage alimentaire, des ateliers cosmétiques et de produits ménagers naturels notamment. Ensuite, les aspects techniques et de pré-collecte. On a doublé les bornes en surface pour déposer les ordures ménagères. Donc avec un développement des smart lines, bornes de surface pour les ordures ménagères, plus 49 sur 2021, pour un total de 103 en place. Les aspects techniques au niveau des déchetteries. Donc les accès en déchetterie, on a plus de 90 000 cartes en circulation, 403 000 entrées sur 2021, avec 44% d'augmentation par rapport en 2020 et 9% par rapport à 2019. Et trois déchetteries principales qui comptabilisent 60% des entrées, Nancy, Vendeuvre-les-Nancy et Essay-les-Nancy. Alors au niveau des tonnages, on est à 48 960 tonnes collectées, plus 17% par rapport à 2020, et 65% ont pu être recyclées. Les principales évolutions, donc on va en citer trois, les meubles, plus 43%, c'est plutôt bien de les déposer en déchetterie plutôt que de les laisser sur les trottoirs. Les déchets verts, plus 34%. Donc là, on voit aussi que les mentalités évoluent et que les gens font la démarche d'aller en déchetterie. Et les pneus, par exemple, plus 69,5%. Au niveau communication, donc un objectif de sensibilisation des habitants à la prévention et aux gestes de tri grâce à la Maison de l'Habitat et du Développement Durable. Grâce aux 6 ambassadeurs du tri, au maître composteur et à la 17e édition Jardin de Vie, Jardin de Ville,
qui se déroule donc au parc de Montaigu. Donc le public, enfin le public sensibilisé, donc le grand public et les scolaires. Au niveau aspect économique, donc la mise en place d'un budget annexe au 1er janvier 2021, des investissements en dépenses de 2,9 millions d'euros et en fonctionnement des dépenses de 30,9 millions d'euros, plus 9,3% par rapport en 2020, et des recettes en hausse également à 35 millions d'euros, plus 6,5% par rapport à 2020. On en est donc à un poids de 486 kg par habitant et par an hors gravats sur la métropole du Grand Nancy, et un coût de 95,42 euros hors taxe par habitant. Et je vais finir par l'évolution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, donc qui se situe en 2021 à un taux de 6,71% stable par rapport à celui de 2020, mais donc sur les dernières années en baisse, puisqu'on était parti d'un taux de 9,15% en 2011, et donc on est actuellement à 6,71%. Merci, j'ouvre le débat. Pour toute remarque, question, ajout et réponse de nos rapporteurs. Non, s'il n'y a pas de prise de parole, moi je voudrais revenir sur deux ou trois sujets. Je voudrais revenir sur le dernier déjà, peut-être pour commencer. C'est un sujet qui, je dirais, intéresse, mobilise beaucoup nos concitoyens. Et sur lequel, comme d'ailleurs sur tous les sujets, le changement est progressif. Je ne voudrais pas dire qu'il est difficile, parce que les chiffres qui sont donnés ce soir par Stéphane montrent que finalement, on s'adapte relativement vite. On s'adapte vite, mais simplement, dans ce genre de cas, et dans une direction qui est la bonne, et les délibérations et les décisions qui sont rappelées ici ont eu le soutien de nos représentants à la métropole du Grand Nancy, que ce soit d'ailleurs de la majorité ou de la minorité. Pour autant, on retrouve deux types de difficultés. Encore une fois, l'adaptation au changement. Je voudrais revenir sur les déchets verts. Vous voyez les chiffres. On s'y fait vite parce que 34% de déchets verts en plus en déchetterie, c'est autant qui n'est pas dans les ordures ménagères habituelles, sans compter tout ce qui aujourd'hui est recyclé avec un peu d'astuces et de méthodes dans les jardins et avec le soutien aussi du Grand Nancy, dont la politique, par exemple, de composteur est particulièrement volontariste. Et puis vous en croisez tout le temps, des gens qui vous disent « j'y arrive pas ». Je suis trop loin, je ne sais pas le faire. Avant, ça le faisait. Il y a des communes qui le font, ce qui est de moins en moins vrai, mais ce n'est pas grave, l'essentiel est de le croire. Et puis, j'ai plus de voiture, etc. Et donc, clairement, ce chiffre, ce résultat, ces volumes qui sont indiqués là, nous encouragent à poursuivre. Mais pour poursuivre, il faut laisser personne au bord du chemin. Pour poursuivre, il faut prendre les moins armés, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ont été formés différemment, ceux qui tombent tous les deux jours. Vous les connaissez. Et ils ne sont pas pires que les autres. C'est leur droit aussi. Il faut prendre ces personnes, et c'est la raison pour laquelle l'opération des équipiers du climat va pouvoir voir le jour au printemps, en tout cas au moment où les travaux de printemps vont commencer, parce que c'est un des domaines où les victoires sont les plus faciles. Et puis quelquefois, la réponse, c'est aussi de dire, ben voilà, c'est mon voisin, c'est ma voisine, ils ne conduisent plus, je vais le faire pour eux. Et on continuera de faire monter ces tonnages. Et puis sur les déchets, il n'y a pas que ça. Je ne veux pas, en plus, notre collègue n'est plus au Conseil, mais je ne veux pas ranimer un débat qui nous avait occupé il y a quelque temps. Il y a les délinquants. Je suis désolé, il y a les sales types. Il faut dire les choses comme elles sont. Déposer
Il y en a tous les jours. Déposer un matelas à côté d'un Moloch, c'est se comporter comme un sale type. Et ça ne mérite que sanctions. Il n'y a pas d'autre message. Il n'y a pas d'autre façon de dire, ah ben non, t'es peut-être pas si sale type que ça, t'as peut-être été obligé, tu l'avais sur ton dos, puis tu n'arrivais plus à le porter, évidemment, bien sûr. Donc, là-dessus, il n'y aura aucune mollesse. Et sanction, il y a eu, je tiens à le dire. Sanction, il y a eu. Parce qu'enquête, il y a. Pourquoi ? Parce que ces gens, c'est une infime minorité, ces personnes autour de cette table, ces personnes parmi les gens, mais c'est d'autres. Peu nombreux. C'est pareil pour la déjection canine. Peu nombreux. Et c'est inacceptable. Donc sur ce sujet, si on veut continuer à progresser, si on a pu passer, rappelons-nous, ça n'a pas été simple, et pour beaucoup, ça n'a pas été simple non plus, du double passage pour les ordures ménagères à un seul, qui est à la fois un objectif économique. Bien sûr, c'est vrai que c'était un objectif économique pour la métropole, mais qui est aussi un objectif environnemental pour inciter les uns et les autres. Et ça, on l'a tous fait, à moins rejeter dans les ordures ménagères et à mieux trier avec les chiffres que l'on retrouve là. C'est pareil, ce sont des mutations qu'il faut expliquer, qu'il faut accompagner. On ne fera plus demain comme on faisait hier et aujourd'hui. On ne peut plus continuer à avoir beaucoup d'énergie. C'est énormément d'énergie un camion poubelle. Et c'est des arrêts et des démarrages. C'est effroyable en termes de qualité de l'air. Et vous pouvez les changer, les réadapter, les machins, tout ce que vous voulez. C'est effroyable. C'est coûteux et c'est mauvais environnementalement parlant. Eh bien, si on veut continuer dans cette direction, il faut qu'on y soit tous prêts et il faut qu'on soit, nous, notre rôle de commune, c'est l'explication. Et ce soir, c'est vrai que les rapports passent. Les rapports, peut-être qu'ils ne parlent pas au grand public. Mais ils doivent nous encourager, avec les résultats qui sont donnés là, ils doivent nous encourager à continuer dans cette direction. Et pour, encore une fois, bien continuer dans cette direction, il faut que tout un chacun ait les moyens d'y participer du mieux possible. Sur la tournée unique, on n'est pas égaux. C'est très bien. Quand on a un pavillon dégagé du terrain, du truc, on n'a pas de problème avec la tournée unique. Quand on est dans un petit appartement, quelquefois des années 30, qui n'a pas été conçu comme ça, c'est plus compliqué, bien sûr, on le sait. Et donc tout ça, c'est du travail, et ce travail-là, aujourd'hui, il est important. Je voudrais revenir aussi, parce que c'est un tout petit peu plus ma marotte ou ma casquette, si je puis dire, à la métropole, sur les deux sujets qui ont été évoqués par Pascal Jacquemin, sur les sujets du développement de la French Tech et sur la création de l'agence de développement économique, l'agence L'Europe. La French Tech, c'est pas qu'un slogan. Et même si, bien sûr, tous les emplois ne se créent pas uniquement dans les start-up de haute technologie issues de Télécom Nancy ou d'autres écoles de pointe, il n'empêche que c'est notre signature aussi. Et il n'empêche qu'on doit faire tout ce qui est possible pour permettre à ceux qui voudraient entreprendre sur notre territoire, et notamment entreprendre dans les domaines de la technologie ou du numérique, de pouvoir le faire. Et donc, je constate une chose, Pascal a évoqué le bâtiment dit hors-bord, qui est un bâtiment situé entre Meurthe et Canal. Je constate que ce bâtiment, sitôt mis en service, était plein. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il est plein de trois choses différentes qui se complètent. Et c'est ça l'esprit de la French Tech. Des espaces publics, parce qu'il y a de l'animation publique à faire autour de ça, y compris d'ailleurs de l'apprentissage, y compris de la lutte contre la fracture numérique. Des espaces privés qui sont pris par de grandes entreprises, les banques, Google, mais qui sont pris de grandes entreprises pour les ouvrir aux start-up. Et puis, des espaces qui sont pris par des start-up, par des petites entreprises. Ben, c'est ça l'esprit.
Et on pourra faire à un moment donné le total. On va se faire plaisir un instant. Hein. Nous sommes, dans le Grand Est, le seul territoire qui a toujours eu les meilleurs labels de la French Tech. Le tout premier, puis deux autres qui sont venus, un renouvellement du premier, puis un troisième où il a fallu grossir, et où effectivement nous avons pu nous associer, mais dans une association où la majeure, si je puis dire, est sur le territoire du Sillon Lorrain et la mineure est sur le territoire alsacien, c'est ainsi. Voilà. Nous nous sommes associés avec le territoire alsacien parce qu'il fallait effectivement présenter des volumes qui étaient plus importants d'activité. Donc je voudrais dire que c'est dans la durée une grande satisfaction que de voir notre positionnement, que ce soit un positionnement d'ailleurs scientifique, et c'est le produit aussi de notre science publique, qui derrière produit des résultats privés. Et qui permet de fixer un certain nombre d'étudiants. Absolument. Absolument, et Pascal a raison sur ce sujet, parce que ce qui est embêtant, c'est pas que certains étudiants passés par Nancy partent, parce que ça montre aussi qu'ils sont bons et forts sur le marché, mais ce qui est embêtant, c'est quand effectivement on a des gens qui ont un projet, une volonté d'entreprendre, et qui vont entreprendre ailleurs. Ça, c'est qu'on a raté quelque chose, et je pense qu'aujourd'hui, on a les meilleurs moyens pour pouvoir le faire, y compris à côté de notre voisin luxembourgeois. Et le dernier sujet sur lequel je voudrais revenir, mais j'en dirai peut-être seulement quelques mots, parce que je vous proposerai dans une séance prochaine que soit l'actuel président, soit le futur président de la Multipole, soit peut-être les deux d'ailleurs, viennent nous faire une présentation de ce que fait la Multipole. Alors la Multipole, ça vous dit peut-être rien. Pour autant, le siège est à Villiers-Nancy, ce qui n'est pas le cas de l'Agence de développement économique. D'accord, il n'y a plus le siège de l'Agence de développement économique, est à Mediapark. Mais peu importe. En plus, le siège à Multipole est effectivement encore à Villiers, même si les bureaux sont à Nancy. C'est de resituer notre territoire communal et intercommunal dans un espace plus vaste. Et la création de l'Agence de développement économique l'Europe a été quelque chose de tout à fait innovant sur ce plan-là. On ne travaillait pas suffisamment avec les territoires voisins. Les territoires voisins, hein, ils sont là, ils sont à nos portes. Hein. C'est Chavigny et c'est Chavigny essentiellement. Ils nous touchent, si je puis dire. Et bien évidemment, on ne fait pas de développement économique uniquement centré sur si on veut que je parle et que je dise en même temps, ça va être dur. Oui, alors elle a en effet été lancée à Pharmagest, mais elle n'est pas restée à Pharmagest, elle est partie sur son dos un petit peu plus loin. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'était absolument essentiel de considérer notre territoire au niveau du bassin, de la totalité du bassin d'emploi, et même un peu plus, puisqu'il y a formellement, au sens de l'INSEE, un bassin d'emploi sur le territoire de Lunéville. Travailler avec 13 intercommunalités nous ramène au sujet de mutualisation tout à l'heure. Ça n'a pas été facile. Et il a fallu reconnaître un poids équivalent à toutes les intercommunalités. Et pourtant, certaines, si vous les traversez, vous aurez l'impression qu'il n'y a peut-être pas de grands atouts sur le plan économique. Mais c'est un territoire où résident des gens qui travaillent. C'est un territoire où demain, on aura peut-être l'opportunité de placer un certain nombre d'activités économiques nouvelles et qui n'avaient pas pu le travailler parce qu'ils n'avaient pas la population suffisante. Et donc, ce travail avec 13 intercommunalités, c'est aujourd'hui quelque chose de particulièrement emblématique. Il n'est pas exclu qu'un jour je vous fasse une présentation sur ce sujet, parce que les premiers résultats de l'agence L'Europe sont extrêmement encourageants, et je pense que c'était très important qu'avec Mathieu Klein, on puisse ensemble développer cet outil. Voilà. Il n'y a pas de vote, sauf erreur de ma part, et donc nous prenons acte de ce rapport. Au rapport de Stéphane Klopp, le réseau des repères cafés de la métropole du Grand Nancy, nous renouvelons une convention de partenariat particulièrement active.
Suite à la délibération numéro 19 prise le 20 octobre 2022, la métropole du Grand Nancy renouvelle ses conventions de partenariat avec la MJC Lorraine et les porteurs de projets dans le cadre du programme local de prévention des déchets ménagers. Un des axes principaux de ce programme consiste à promouvoir les pratiques de réemploi et de réparation pour donner une seconde vie aux biens. Soucieuse de poursuivre le renforcement des liens sociaux des habitants et les initiatives locales en matière de protection de l'environnement, la ville souhaite renouveler sa convention de partenariat avec la MJC Lorraine et la métropole du Grand Nancy. Le déploiement des ateliers de réparation dès décembre 2017 a permis d'encourager le changement de comportement des citoyens consommateurs dans une démarche d'éducation citoyenne. Cet accompagnement de la ville de Villers-Nancy a aidé à recruter des citoyens réparateurs bénévoles et les former, faciliter l'organisation des premiers ateliers, assurer l'animation des ateliers et guider le porteur de projet vers l'autonomie. Cette nouvelle convention est prévue pour une durée de 3 ans et répartit les engagements de chacun des partenaires. La ville de Villers-Nancy s'engage à tout mettre en œuvre pour permettre la tenue et la bonne réalisation des 10 ateliers Repair Café par an, en dehors des vacances scolaires. Donc, le Repair Café porté par la ville de Villers-Nancy fonctionne en autonomie. Il est membre du réseau des Repair Cafés de la métropole et bénéficie des avantages qui lui sont liés. Et donc, cette autonomie nous permet d'avoir une participation financière limitée à 500 € par an, qui sont versés à la MJC Lorraine pour l'animation du réseau et la formation des bénévoles. Si nous n'étions pas autonomes, si nous n'avions pas pu recruter nos propres dépannacteurs, la somme serait de 2 500 €. Alors, je rappelle que pour le public, donc, l'accès est gratuit. Et que donc, ces ateliers se déroulent à la MJC Jean Savine. Ce sont les mercredis à partir de 18h30 et les prochaines dates, donc, ce sont sous le contrôle de Stéphanie Texera et Bernard Mangeol qui animent ce Repair Café, donc le 30 novembre et le 14 décembre. Voilà. Donc, le projet de convention est annexé à la présente et il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de partenariat entre la ville de Villers-Nancy, la MJC Lorraine, la métropole du Grand Nancy, relative au fonctionnement du Repair Café, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer, ainsi que les avenants, le cas échéant. Merci. Des questions, des remarques? S'il n'y en a pas, je voudrais juste d'abord remercier effectivement l'équipe municipale qui travaille autour du Repair Café, mais évidemment, et ils ne m'en voudront pas, de remercier en particulier nos dépannacteurs, j'ai découvert ça, et pour dire le succès extraordinaire de cette démarche, qui n'est pas que qui n'est pas que de limiter, si je puis dire, la mise au rebut, qui est aussi l'occasion de rencontres qui sont exceptionnelles, et puis de prise de conscience aussi de ce qu'on peut et doit faire. Nous sommes sans doute parmi les communes en pointe. Alors, le but n'est pas de faire la nique aux autres, hein, que les choses soient claires, mais que ça marche le mieux possible partout. Nous avons beaucoup, beaucoup de demandes de réparation et puis pas mal de réparateurs. Je précise au passage que dans l'intérêt des objets et de leurs propriétaires, je ne suis pas candidat. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Au rapport de Francis Sigris, les ouvertures dominicales. Bernard Mangeol, qui était bien chaud pourtant. L'informatique mutualisée, l'avenant de prolongation des conventions de mutualisation. Après tout le bien que j'ai dit de la mutualisation. Merci. Allons-y. François. Donc, depuis 1999, la métropole du Grand Nancy propose aux communes de l'agglomération de mutualiser leurs moyens informatiques afin de faciliter et d'en industrialiser la gestion, tant par l'effet de volume sur les dépenses que par l'apport accentué d'expertise spécifique dans tous les domaines à couvrir par cette nature d'activité. Aujourd'hui, la direction des systèmes d'information et des télécommunications assure la gestion informatique de 25 villes et de divers établissements métropolitains. Ce succès témoigne de l'intérêt pour la mutualisation comme levier d'amélioration des services informatiques, de maîtrise de la dépense publique locale et de rationalisation des ressources dans le cadre d'un partenariat équilibré et volontaire. Ces partenariats sont prévus pour être renouvelés et réinterrogés tous les 5 ans.
La convention en cours est arrivée à échéance le 30 septembre dernier. Le contexte actuel est marqué par des besoins qui évoluent à la recherche d'une plus grande efficience, des technologies qui se sont complexifiées, notamment à cause de cybermenaces récurrentes qui pèsent sur nos organisations, et une dépendance technologique accrue. S'y ajoutent des problématiques sociétales que nos organisations ne peuvent ignorer, dans la sobriété numérique, le dérèglement climatique, la souveraineté numérique. Autant de problématiques à traduire en schéma directeur de moyen terme, concurrents à porter des projets collectifs et à respecter les stratégies respectives des adhérents qui doivent faire l'objet d'une concertation et d'une validation éclairée. Il est par ailleurs attendu une évolution organisationnelle dans le mode d'interaction avec les adhérents. Cela peut porter sur la refacturisation dont on attend une meilleure lisibilité, sur les instances de gouvernance, sur la capacité à conseiller ou à accroître les apports d'une gestion mutualisée, sur l'agilité attendue, enfin, de la DSIT. Pour faire face à l'évolutivité des besoins et à une maturité numérique des organisations accentuée, un catalogue de services évolutifs, plus granulaire et ancré sur les besoins et transposé clairement dans les outils de gouvernance, doit être amendé et enrichi. Des réformes ont été engagées dans ce domaine, impactant aussi bien l'industrialisation et l'optimisation des processus de gestion que les outils afférents. Elles nécessitent de recueillir l'avis et l'approbation des adhérents avant d'être entérinées. De nombreux chantiers ont ainsi été initiés, répondant aux demandes et aux attentes formulées lors des dernières instances de suivi. Ils ne pourront être aboutis dans les délais posés par l'échéance des conventions, sinon au détriment du débat attendu par les adhérents. Leurs résultats devront être inscrits dans une convention rénovée, évolutive, où seront formalisés clairement les engagements de chacune des parties. C'est pourquoi, dans un premier temps, il est proposé de renouveler la convention actuelle en l'état par voie d'avenant pour un seul exercice, ce délai devant être mis à profit pour mener et faire aboutir une concertation sur l'ensemble des réflexions évoquées en supra. Et donc, après avis de la commission compétente, il demande au conseil municipal d'approuver l'avenant à la convention de mutualisation des moyens informatiques et d'autoriser M. le maire à le signer ainsi que tous les actes afférents. Merci. Des remarques, des commentaires? Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ça a permis à Francis Sigris de s'échauffer sur le bord de bande touche. Et de ce côté, ça vaut le coup de s'échauffer un peu. Les ouvertures dominicales. Voilà. Donc les ouvertures dominicales des commerces de détail sur le territoire de Villers-des-Nancy pour l'année 2023. Donc la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'attractivité et l'égalité des chances économiques dispose que pour les commerces de détail non alimentaires, il peut être dérogé au repos dominical dans la limite de 12 dimanches par an. Parmi les aménagements relatifs à la capacité de dérogation relevant du pouvoir de police des maires, ce dispositif est communément appelé les dimanches du maire. Cette évolution législative offre ainsi la possibilité aux commerçants non concernés par des dérogations nationales ou sectorielles d'être ouverts plus souvent s'ils le souhaitent et si leurs salariés sont volontaires. Elle permet également d'inscrire les ouvertures dans un calendrier annuel préalablement défini et collectivement coordonné à l'échelle intercommunale. En effet, au-delà de 5 dimanches, la décision du maire doit être prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant cette saisine, cet avis est réputé favorable. Cette dynamique collective découlant de la coordination entre l'ensemble des communes de la métropole engagée depuis 3 ans a pour objectif de générer une attractivité commerciale plus forte, potentiellement en lien avec des événements festifs et commerciaux qui rythment la vie locale. Cette méthode de concertation a été retenue dans le cadre de la stratégie de développement commercial de la métropole, adoptée le 13 janvier 2017 et actualisée le 8 février 2019. Afin de poursuivre dans cette voie et de renforcer plus encore la dynamique commerciale sur le territoire,
Il est proposé, s'agissant des ouvertures dominicales pour l'année 2023, de renouveler ce calendrier et d'acter une position commune de principe consistant à fixer un socle commun de 8 jours d'ouverture pour l'année 2023, correspondant aux 6 dimanches avant les fêtes de fin d'année et aux 2 dimanches d'ouverture des soldes, soit les 8 février, 2 juillet, 19 novembre, 26 novembre, 3 décembre, 10 décembre, 17 décembre et 24 décembre 2023. Il est demandé au Conseil municipal d'acter la volonté de la ville de Villers-les-Nancy d'offrir la possibilité au commerce de détail d'ouvrir les 8 dimanches constitutifs du socle commun établi par la métropole du Grand Nancy. Merci. Des remarques ? Non, je voudrais juste d'abord remercier et Bernard et Francis, parce que derrière ces rapports, il y a aussi au quotidien beaucoup de travail, aussi bien sur nos sujets informatiques que sur nos sujets commerciaux. Sur le commerce, je voudrais juste au passage, alors dans ces cas-là, comme disait la mère de Napoléon, pour vous que ça dure, mais je voudrais signaler que nous avons la chance de n'avoir quasiment aucune vacance commerciale sur Villers. Vous pouvez regarder, à part des échoppes qui sont extrêmement isolées, qui n'étaient déjà pas, enfin qui fonctionnaient par elles-mêmes, si je puis dire, mais qui à un moment donné étaient hors de l'ensemble de la zone, disons, de chalandise, des zones de chalandise qu'on retrouve sur Villers. Je crois qu'on peut se féliciter de cette situation, de ce dynamisme, de la volonté aussi de commerçants de s'engager. Je pense au nouveau commerce qui s'est ouvert sur le boulevard d'Aussonville. C'était un commerce qui ne fonctionnait pas trop. D'ailleurs, ce n'était pas vraiment un commerce auparavant. Ça avait été un showroom de promoteurs immobiliers pendant un temps. Ça avait été une permanence politique, pas tout à fait d'ailleurs de ma sensibilité, ni de celle de personne autour de la table. Et depuis, il y a des personnes qui se sont lancées. On retrouve aussi de nouvelles échoppes commerciales sur la zone de Nancy. Retrouver une quincaillerie, c'est simplement extrêmement encourageant. Donc, je voudrais juste partager ce moment de satisfaction sur la situation de nos commerces, qui montre aussi que il y a effectivement un terreau qui est favorable, mais aussi des commerçants qui au quotidien font bien leur travail et en sont justement récompensés. Je le mets donc aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. J'ai attendu le vote pour préciser que nous sommes une des communes les moins portées sur l'ouverture du dimanche et que bien d'autres communes ont choisi un ou deux dimanches de plus, sauf erreur de ma part. Je n'en donnerai pas la liste puisqu'il n'y a pas eu de discussion ni de polémique sur ce sujet. Je vous en remercie. Au rapport de Gérard Pahl, c'est sous une dénomination mystérieuse, la convention de prestation de services de la métropole au bénéfice de la commune. Alors, depuis 2003, en parallèle du transfert de la compétence voirie au Grand Nancy, la commune de Villers-les-Nancy a conclu avec la métropole, dans un souci d'économie d'échelle, une convention de prestation de propreté pour le nettoyement manuel et une convention de prestation de services. Ces conventions arrivant à échéance au terme du 31 décembre 2022, la métropole a pris une délibération au Conseil métropolitain du 20 octobre afin d'approuver les termes de nouvelles conventions permettant la reconduction de ce principe de fonctionnement pour les communes concernées. Ces nouvelles conventions sont conclues pour une durée de 5 ans et sont expressément reconductibles pour une nouvelle période de 5 ans par lettre recommandée avec accusé de réception. Alors, concernant la première, la convention de prestation de nettoiement manuel, le nettoiement manuel se définit par l'intervention d'agents à pied, même s'il est fait usage de véhicules pour se déplacer ou pour transporter le matériel nécessaire à la réalisation de l'activité.
Alors, il contribue très majoritairement au bon niveau de propreté du domaine public, car il conditionne l'état des trottoirs, des places, tous les espaces, et intègre les interventions de balayage manuel, le changement des sacs des corbeilles, l'enlèvement des dépôts sauvages, de ramassage à la pince. Alors, les interventions de la métropole porteront du lundi au vendredi, hors jours fériés, sur le nettoyage des zones inaccessibles au balayage mécanique, enlèvement et remplacement des sacs et des corbeilles, enlèvement des dépôts sauvages, approvisionnement des distributeurs de canisacs, et dans le cas particulier de fêtes, manifestations ou désordres importants, notamment en centre-ville, des interventions de nettoyage ponctuel pourront être réalisées les samedis, les dimanches et les jours fériés. Le coût de cette prestation étant jusqu'à présent perçu au travers du calcul de l'attribution de compensation, qui en était réduit d'autant. Il fera désormais l'objet d'une facturation trimestrielle et son montant annuel sera de 147 800 euros. Ce dernier sera réévalué annuellement dans les mêmes proportions que les tarifs de main-d'œuvre figurant dans les conventions de propreté comportant un bordereau de prix, c'est-à-dire selon les coûts constatés de ces activités sur la base du compte administratif et ses nouveaux tarifs étant votés tous les ans par le Conseil métropolitain. La seconde, c'est la convention de prestation. La convention de prestation de service a pour objet de préciser les modalités pratiques et financières d'intervention de la métropole pour le compte de communes concernant des activités de pose de mobilier urbain, des poteaux, des potelets, des barrières, des distributeurs de canisacs, des panneaux de signalisation, du barriérage provisoire et la mise en place de jardinières, de logistique, tout ce que l'on peut avoir besoin au quotidien dans une commune. Cette convention permet à la commune de Villers-les-Nancy de solliciter le concours des services de la métropole afin de faire réaliser, sous son contrôle, des interventions d'ampleur modérée dans le cadre de ses compétences propres. Les coûts de ces interventions seront facturés trimestriellement. À cette fin, un tarif horaire du personnel ainsi que les tarifs de mobilisation des véhicules nécessaires à la réalisation des interventions ont notamment été calculés. Ces tarifs feront l'objet d'une réévaluation annuelle selon les coûts constatés de ces activités sur la base du compte administratif. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver les termes de la convention de prestation de nettoiement et de la convention de prestation de service par la métropole pour le compte de la commune de Villers et d'autoriser M. le maire ou son représentant à les signer et ainsi que les avenants, le cas échéant. Merci des remarques, des questions. Je compléterai sur le fait que c'est, je pense, l'exemple d'un bon travail qui a été conduit précisément entre la métropole et les communes adhérentes. Je pense que les premières visions ou versions portées par la métropole étaient... sans doute un peu technocratique, on va dire les choses comme elles sont. Nous avons fait, nous, des contre-propositions qui n'étaient pas que financières, mais comme vous le voyez, c'est quand même une convention qui a des conséquences financières importantes pour nous. Nous avons, avec Gérard, formulé aussi des propositions pour être plus actives, pour être plus efficaces, pour pouvoir justement mieux se compléter, avoir le bénéfice d'une prestation centralisée parce qu'à un moment donné, les techniques, les parcours, les équipements ne sont pas à notre portée, mais que d'un autre côté, le constat, la connaissance, l'alerte, la possibilité d'avoir une réaction fine sont de notre niveau. Et donc, c'est sur ce travail-là, qui n'était pas totalement spontané au début, on peut se le dire, qu'il y a eu un très, très important travail permettant d'éviter d'un côté l'explosion des prêts, que nous n'aurions pas suivi, je le dis tout de suite, d'éviter l'explosion des prix et d'avoir de l'autre le maintien d'une efficacité optimale pour nos concitoyens. Voilà. Ça, c'est un bon travail et je tenais à le signaler, et y compris à saluer les équipes de la métropole avec lesquelles nous avons eu l'occasion de discuter. Je le mets aux voix. Qui est contre ?
Qui s'abstient? Merci. Désaffectation de logements de fonction. Alors, par délibération du 27 septembre 2021, le Conseil municipal a mis à jour la liste des emplois et les conditions d'occupation des logements de fonction, entérinant ainsi des organisations ne nécessitant plus de gardiennage sur certains sites. Les logements concernés sont désormais affectés à de nouvelles affectations, soit des bureaux, des espaces mis à disposition d'associations, soit des espaces de réunion. Ainsi, la commune de Villers est propriétaire d'un ensemble immobilier au 4 de la rue Maurice-André, comprenant au premier étage l'ancien logement affecté au gardien de l'hôtel de ville. Le poste de gardien n'existe plus à l'heure actuelle. Ce logement ayant vocation à changer d'affectation pour devenir un espace de travail, des bureaux, il convient donc d'entériner la désaffectation de ce logement. De même, avenue de Maron, l'organisation de l'équipe du stade ne nécessitant plus la présence d'un gardien logé sur site, il convient de valider la désaffectation de ce logement situé sur les parcelles cadastrales AL3 et AL4 dans l'enceinte même du stade Roger Bombuc. Cet espace a été transformé en bureau, mis à disposition par convention à l'unité départementale des premiers secours de Meurthe-et-Moselle. Enfin, au centre socioculturel du Placieux, l'ancien logement de fonction a été transformé en bureau accueillant la police municipale. Il convient donc de régulariser la situation et d'entériner la désaffectation de ce logement et son affectation à des bureaux. Merci. Pas de remarques, je pense, sur cette délibération technique. Je la mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Au rapport de Blandine Souvet, le contrat d'assurance des risques statutaires. Merci, monsieur le maire. Le centre de gestion a souscrit en 2018 un contrat d'assurance destiné à couvrir les risques statutaires, c'est-à-dire compenser les sommes versées aux agents par la collectivité en cas de maladie, maternité, paternité, adoption, accident, décès. Ce contrat arrive à échéance le 31 décembre 2022. Nous avons mandaté par délibération de mars dernier le centre de gestion pour effectuer une mise en concurrence en vue de souscrire un nouveau contrat auprès d'une société d'assurance agréée. Sa durée sera de 4 ans à compter du 1er janvier 2023. Le résultat de cette mise en concurrence a amené le centre de gestion à retenir pour notre collectivité la société Groupama Grand Est avec WTW, excusez l'accent, Willis Towers Watson France, en qualité de courtier. Leur offre tient compte notamment de notre taux de sinistralité. Groupama nous propose, en maintenant le même service, plus de remboursement des dossiers de temps partiel thérapeutique, plus les dossiers de temps partiel thérapeutique sans lien avec un arrêt de travail préalable. C'est une nouvelle mesure qui vient d'être adoptée. Un taux de 7,45% de notre masse salariale contre 7,18% l'an dernier. Ce qui nous amènera à une cotisation sensiblement identique à celle de l'année dernière, 218 377 euros en 2022, avec un taux de 7,18%, contre 219 084 euros en 2023, avec un taux de 7,45%, auquel il faut ajouter, bien sûr, les frais de gestion du risque statutaire facturés par le centre de gestion, qui seront d'environ 8%. Ce taux nous sera confirmé prochainement par le centre de gestion. Cela représente 17 526 euros au lieu de 19 000 cette année. Cette offre tient compte de notre taux de sinistralité en diminution en ce qui concerne les accidents, la longue maladie, la maladie de longue durée et la maladie ordinaire. La politique d'amélioration des conditions de travail menée depuis plusieurs années porte ses fruits et nous permet de ne pas subir la hausse générale des cotisations d'assurance de ce domaine. Alors, pour donner quelques exemples de la politique menée par la ville, dans ce domaine, je citerai par exemple des approches managériales qui tiennent davantage compte des besoins des agents
en particulier des agents de catégorie C, exemple de l'organisation du service logistique en pôle avec des aménagements d'horaires, des rapprochements géographiques entre domicile et lieu de travail, cette organisation permettant par exemple à plusieurs agents de covoiturer. Ensuite, une prise en compte renforcée des besoins de nos agents, notamment ceux qui sont exposés aux troubles musculo-squelettiques. Par exemple, cette année, l'agent de prévention a fait tester et valider aux agents de la crèche des sièges bas, roulants, répondant spécifiquement à leurs besoins d'être à hauteur d'enfant. Enfin, une approche transversale du travail des directions qui produit un service plus riche, une solidarité entre équipes et une amélioration du travailler ensemble entre agents et entre services. Le succès de la première journée des agents témoigne de cette attente et nous engage à poursuivre dans cette voie. Après avis du comité technique et de la commission compétente, il est proposé au conseil municipal d'approuver les conditions du contrat ci-dessus exposé, d'adhérer à la convention de gestion d'assurance risque statutaire proposée par le centre de gestion de Meurthe-et-Moselle, d'autoriser monsieur le maire à signer tout document utile afférent à ce dossier, d'inscrire au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette délibération, de donner délégation à monsieur le maire pour résilier, si besoin, le contrat d'assurance statutaire en cours. Merci. Des remarques ? Monsieur Pascal Jacquemin, qui, je pense, veut remettre en cause le courtier, je pense. Non, pas du tout. D'accord. Je me demandais, c'est le centre de gestion de Meurthe-et-Moselle qui nous a adressé le Willis-Towers ? Oui. Ah, d'accord. Donc c'est Groupama, en fait. C'est Groupama. On avait un autre auparavant, donc j'étais un peu surpris. Non, alors, pour que nous soyons complets, qu'on se comprenne bien, nous avons un conseil pour les marchés d'assurance, qui est un conseil de la commune et qui nous conseille à la fois sur les cahiers des charges et aussi sur les résultats des consultations. C'est un conseil qui est implanté nationalement, mais dont nous avons au plus proche une personne extrêmement compétente. J'ai fait connaître un tout petit peu l'assurance, mieux que les réparations d'objets électroniques. Et donc, on a pu, avec Blandine, Valérie, beaucoup travailler avec eux, y compris sur la sélection et sur la façon de répondre aux... D'ailleurs, ce sont eux qui conseillent également le centre de gestion. D'autres remarques ? Je voudrais juste dire que, d'une part, pour qu'on se comprenne bien, ce n'est pas un truc tout à fait évident, que ceci, évidemment, de toute façon, n'impacte pas la situation des agents, puisque c'est une assurance de la commune, pour la commune, pour pouvoir aussi, dans certains cas, pourvoir au remplacement des agents manquants. Mais je crois, comme Blandine l'a rappelé, qu'aujourd'hui, si je parle finance, si on n'avait pas fait les efforts que nous avons faits sur les ressources humaines, nous aurions une augmentation très importante de cette assurance. Ce serait fort dommage. Mais au-delà de ça, derrière ça, il y a des réalités des personnes. Et toutes les fois qu'on peut éviter un accident du travail, un accident de trajet, un petit peu moins concerné forcément, mais aussi la mise en maladie prolongée, toutes les fois qu'on peut adapter un poste de travail, toutes les fois qu'on peut travailler aussi à améliorer la situation et les relations de travail de nos agents. C'est un mythe de Sisyphe, hein, il faut recommencer tous les jours, mais c'est derrière aussi du bien-être pour ceux qui travaillent et un meilleur service public rendu de surcroît de façon plus économique. Donc merci et bravo à celles et ceux qui s'y consacrent, que ce soit Blandine, mais aussi les équipes de Dominique Piard et elle-même personnellement. Je le mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Service facultatif de médecine préventive proposé par le Centre de gestion de la fonction publique de Meurthe-et-Moselle, de Villers-les-Nancy. Voilà. Merci, monsieur le maire. Alors, toute collectivité doit disposer d'un service de médecine préventive qui a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail.
À cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance et sont soumis à un examen médical lors de leur recrutement, puis à un examen périodique. Par ailleurs, le service de médecine préventive est consulté sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents, des maladies professionnelles et l'éducation sanitaire. Le centre de gestion propose un tel service au titre de ses missions facultatives, après la signature d'une convention organisant les modalités d'intervention et les dispositions financières. Les dernières dispositions légales prévoient le remplacement de l'examen médical par une visite d'information et de prévention tous les 2 ans ou tous les ans, selon le travail exercé par l'agent. Le texte précise que ces missions sont assurées par les membres d'une équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par un médecin du travail. Le centre de gestion met en place un calendrier perpétuel d'organisation des visites et le secrétariat du service médecine propose une liste d'agents à convoquer. De plus, afin de soutenir les actions de prévention de notre collectivité, pour chaque visite facturée 99 euros, nous disposerons d'un tiers temps égal à 14 minutes. Disponible avec, oui, je ne sais pas pourquoi, 14, mais 14 minutes pour une action de notre choix, comme l'intervention d'un ergonome du travail ou d'un psychologue du travail, par exemple. Nous bénéficierons ainsi, pour 2023, d'un crédit d'une trentaine d'heures valable pour des interventions de prévention. En ce qui concerne notre collectivité, les agents convoqués dans l'état actuel de nos effectifs seront au nombre de 142 une année et environ 50 l'année suivante, ce qui porte le coût total des examens médicaux à 14 058 pour la première année, plus 4 950 euros pour la deuxième année, soit 19 000 euros pour les 2 ans et 9 500 euros par an en moyenne. En 2022, nous avons déboursé 10 728 euros. Il s'agissait d'une somme forfaitaire. La signature de cette convention complète utilement la gestion des ressources humaines de la collectivité. Après avis du comité technique et de la commission compétente, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat médecine professionnelle préventive avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle, figurant en annexe de la présente délibération, ainsi que les éventuels actes subséquents, conventions complémentaires, propositions d'intervention, formulaires de demande, de mission, etc. Merci. Y a-t-il des interventions subséquentes? Non, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. DM3 et, pour le budget principal et DM1 pour le budget annexe. Valérie Rampon. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, ces deux décisions modificatives pour permettre un ajustement des dépenses et des recettes afin de tenir compte de nouveaux éléments depuis le vote du budget primitif. Donc, la décision modificative numéro 3 concerne le budget principal avec 2 points pour le fonctionnement liés à un ajustement comptable pour le premier demandé par la trésorerie pour un montant de 6 100 euros 1 et 62 centimes. Et le deuxième concerne une recette qui est liée à l'ouverture du LAP, lieu d'accueil parents-enfants, le CANAP, surnommé le CANAP, pour un montant de 5 200 euros en recette et donc des dépenses afférentes en face avec l'achat de matériel, de la formation, etc. Et en investissement, il s'agit donc d'une subvention pour un montant de 2 762 euros qui a permis d'acheter en contrepartie un matériel adapté pour un enfant. La deuxième décision modificative concerne le budget annexe de la maison de santé pluridisciplinaire. Donc, elle est assujettie à la taxe foncière en 2022 pour un montant de 5 501 euros,
Selon le bail qui nous lie à la CISA, donc qui est la Société interprofessionnelle de soins ambulatoires, cette taxe foncière peut leur être refacturée. Nous avions déjà un budget pour cette partie-là initial dans le budget annexe pour un montant de 1 500 euros. Donc il s'agit ici d'inscrire le complément en recettes et en dépenses pour un montant de 4 001 euros. Il est donc demandé au Conseil d'adopter la décision modificative numéro 3 pour le budget principal et la décision modificative numéro 1 pour le budget annexe. Merci. Des questions, des remarques ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Au rapport de Patrick Fèvre, la révision des tarifs de restauration de la résidence autonomie. Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est un sujet sur lequel vous vous souvenez peut-être avoir déjà délibéré le 20 juin dernier, lorsque on travaille sur la fixation des tarifs municipaux pour l'année en cours. Donc, en l'occurrence, le 20 juin, on avait fixé les tarifs 2022-2023, dont les tarifs de restauration des résidences autonomie. Nous n'aurions pas eu normalement à y revenir, sauf que les marchés de restauration de la commune avaient un terme contractuel fixé le 15 juillet dernier. Donc depuis plusieurs mois déjà, avec un pilotage par mon collègue Olivier, et je le remercie, la participation des élus Solidarité, il y a eu un gros travail de fait pour renouveler ce marché. Ça a été complexe parce que vous imaginez bien que dans le contexte international de l'évolution des matières alimentaires, les fournisseurs ne nous faisaient pas forcément de cadeaux et on a abouti, en tout cas sur le lot senior, à un infructueux. La négociation ouverte à la suite de cet infructueux a permis d'aboutir à des conditions acceptables, une augmentation maîtrisée, un maintien de la qualité de service. Et donc, le terme de l'accord qui nous lie maintenant, à compter d'aujourd'hui d'ailleurs, le 7 novembre, avec la société Sodexo, attributaire de ce lot, nous amène à adapter les tarifs qui vous avaient été proposés le 20 juin dernier. Et grosso modo, ça représente donc une grille de tarifs qui vous est proposée dans la délibération, avec la mention des tarifs précédents que vous aviez adoptés et les nouveaux tarifs, ce qui représente en réalité donc pour les repas résidents un nouveau tarif à 7 euros, ce qui représente 9% d'augmentation appliquée par le prestataire. Arrondi à 10% pour tenir compte de l'augmentation des charges de fluide. Les repas invités, augmentation là aussi de 10%, ce qui nous amène à un repas à 9,30 €. Le prix du vin et de la bière est désormais vendu à prix coûtant, ce qui nous paraît effectivement la moindre des choses, ce qui représente une augmentation plus significative, effectivement. L'augmentation du café, thé, infusion est simplement un arrondissement des tarifs. On passe de 0,28 à 0,30 €. Et le repas convivial, dit repas des familles, ne change pas, d'autant que bon, on l'avait annoncé pour le repas qui devait se tenir le 26 octobre, dont vous savez qu'il a dû être reporté pour cause de Covid. Donc voilà, on se situe, je peux éventuellement établir des comparaisons, on se situe en dessous des tarifs des communes voisines, en dessous de Vendeuve, de Laxou, de Ludre, et un peu en dessous du tarif de Nancy, sachant que Nancy a une modulation sociale qui n'intervient pas dans notre mode de calcul actuel. Merci. Des remarques ? Je le mets donc aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Le Rotary Club de la Porte des Vosges pour la grande boum des petits. Ça va nous réveiller. La boum des petits, oui. Alors, cette convention a pour objet la solidarité envers des enfants très malades par le biais d'enfants en bonne santé qui, en participant à cette manifestation, ont permis de récolter des fonds pour la recherche concernant les maladies infantiles.
Alors les fonds récoltés ont été vont être reversés incessamment à hauteur de 50% à l'AREMIG, c'est-à-dire l'Association pour la recherche et les études dans les maladies infantiles graves, et 50% pour l'AFAO, c'est l'Association française de l'atrasie œsophagienne. Il y a des enfants qui naissent sans œsophage ou avec un œsophage très endommagé. C'est pourquoi, dans le cadre de sa programmation, la ville a souhaité mettre en place un partenariat avec le Rotary Club Nancy-Porte des Vosges, dont l'action consiste à récolter des fonds en faveur d'enfants et d'adolescents malades par l'organisation de la grande boum des petits. La ville souhaite ainsi témoigner de son engagement en faveur de l'enfance et sensibiliser tous les enfants au quotidien vécu par les enfants malades. Alors, ces enfants ont pu participer le 16 octobre dernier à une tombola, ont éprouvé leur talent de pâtissier avec un cuisinier professionnel et dansé sur les ondes du DJ Maurice Coxon. Dans ce partenariat, la ville prend en charge la mise à disposition de la salle Jean Ferrat, ainsi que du matériel technique nécessaire au bon déroulement de la manifestation. Elle assure la communication, et dans ce programme notamment de saison culturelle, sur son site internet et par tous les moyens qui ont été utiles. Le Rotary Club Nancy Porte des Vosges s'est engagé à l'embauche des artistes, à régler la totalité de la somme qu'il aurait due, prend en charge les frais artistiques, rémunération, transport, la déclaration et le règlement des droits d'auteur, de la taxe fiscale sur les concerts, assure l'accueil des spectateurs et s'est chargé de percevoir le montant du prix de l'entrée. Donc nous avons surtout mis la salle Jean Ferrat à disposition avec le matériel et les moyens de communication. Après avis de la commission compétente, il est demandé au conseil municipal d'approuver cette convention de partenariat entre la ville et le Rotary Club Nancy Porte des Vosges et d'autoriser monsieur le maire à la signer, ainsi que les éventuels avenants à intervenir. Merci. Boum boum, pas de problème. Je le mets donc aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Les deux délibérations 12 et 13 étant étroitement liées, Valérie va faire un rapport conjoint pour les deux et un vote séparé, évidemment. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, nous allons avoir le passage à la nomenclature comptable M57 et donc au régime d'amortissement associé. La nouvelle nomenclature comptable et budgétaire mise en place par les services de l'État en concertation avec les associations d'élus, elle est destinée aux collectivités du bloc communal, donc communes et établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions. C'est également de permettre et de poursuivre le mouvement de convergence vers les règles de comptabilité privée, à l'exception des spécificités qui sont liées à l'action publique. Et enfin, cette nouvelle nomenclature est applicable de plein droit pour tout le monde à partir du 1er janvier 2024. Les règles d'adoption, donc les communes peuvent opter pour le changement de nomenclature dès le 1er janvier, avant le 1er janvier 2024. Et la commune de Villers, effectivement, vous propose de faire ce passage pour le 1er janvier 2023 pour éviter les encombrements 2024 et également pouvoir se faire aider par la trésorerie par rapport à toutes les modifications qui doivent être faites avec cette nouvelle nomenclature. Ce droit d'option se traduit donc par une délibération du conseil municipal avant le 31 décembre de cette année. C'est pourquoi nous vous présentons ce soir cette délibération afin de permettre un passage au 1er janvier 2023. Si on regarde les évolutions des règles budgétaires et comptables avec cette nouvelle nomenclature, donc c'est la possibilité de procéder à des virements de crédit de chapitre à chapitre, mais au sein d'une même section, c'est-à-dire fonctionnement ou investissement. On ne pourra pas passer du fonctionnement à l'investissement. Ça reste fonctionnement, dans une limite de 7,5% maximum
des dépenses réelles de chacune des sections, sauf pour les dépenses de personnel qui devront toujours faire l'objet d'une demande modificative et d'un passage en conseil municipal. Les gestions des dépenses imprévues par le biais d'autorisations de programme dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections et qui constituent donc une simplification de l'utilisation des crédits par rapport à ce qu'on pouvait connaître aujourd'hui. Et enfin, la mise en place des règles dans le cadre de la gestion pluriannuelle des crédits, autorisation de programme, qui est également facilitée par cette nouvelle nomenclature comptable et encouragée. Donc pour cela, effectivement, nous allons mettre en place le règlement budgétaire et financier, ce qu'on appelle le RBF. Donc elles vont reprendre effectivement ce qui va être adopté par le conseil municipal et mis en place à partir de février 2023. Ça aura pour but effectivement de décrire les procédures de la collectivité, de créer un référentiel commun unique, de rappeler les normes et les ajustements budgétaires mis en place dans le cadre de cette M57, d'optimiser les cycles de mandatement. Et le RBF précisera les règles nouvelles de virement de crédit de chapitre à chapitre. Des règles comptables donc, qui sont effectivement revisitées. Donc, on a la suppression de la notion de charges et de produits exceptionnels. Donc, c'est dans l'optique de convergence avec les référentiels de comptabilité privée. On a un traitement comptable des amortissements qui est différent puisqu'on va parler de la règle du prorata temporis, c'est-à-dire à partir de la date de mise en service du bien et non plus en année pleine comme c'était le cas par le passé. Et cette règle comptable fait l'objet d'une délibération spécifique qui est présentée ce soir. C'est pourquoi je vous présente les deux une seule présentation. Et enfin, l'obligation de constituer des provisions en cas d'apparition d'un contentieux vis-à-vis de la collectivité ou d'une créance irrécouvrable. C'est déjà quelque chose qui était mis en place par notre collectivité par le passé. Donc, ce n'est pas nouveau pour nous. Enfin, si on fait donc un zoom concernant les amortissements et la règle du prorata temporis, donc effectivement, le périmètre des immobilisations qui sont amortissables est fixé par le Code général des collectivités territoriales, donc ce n'est pas nous qui choisissons d'amortir ou pas. Par contre, les collectivités ont le libre arbitre pour décider sur la durée d'amortissement. Donc une immobilisation va donc s'amortir à partir de sa date de mise en service et non plus en année pleine, et ce pour tous les achats qui seront réalisés à partir du 1er janvier 2023. On ne va pas revenir sur ce qui a été acheté par le passé. Et dans une logique d'approche par enjeu, la méthode d'amortissement en année pleine peut être maintenue dans certains cas, par exemple pour des valeurs inférieures à 1 000 euros, ou si on fait des achats par lot, j'achète des chaises, effectivement, on ne va pas regarder à chaque fois que je mets une chaise en service, ça sera le lot qui sera gardé en année pleine. Donc les adaptations liées à ce changement de nomenclature à court terme pour notre collectivité, c'est la modification de certaines imputations comptables et des fonctions budgétaires. C'est un travail de transposition avec l'aide de la direction des services informatiques de la métropole et de l'éditeur de notre logiciel comptable. C'est un toilettage des bases de données comptables en lien avec le service. Et à moyen terme, c'est effectivement un toilettage complet de l'inventaire de la commune. Il est donc demandé pour la première délibération d'autoriser le changement de nomenclature budgétaire et comptable du budget de la ville dès le 1er janvier 2023 et donc d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de ce changement. Et pour la deuxième délibération concernant les amortissements, c'est d'adopter le tableau d'amortissement qui vous est présenté dans la délibération et d'adopter le principe d'amortissement linéaire au prorata temporis à compter du 1er janvier 2023 pour tout ce qui sera acquis à partir de cette date, à l'exception des biens d'une valeur inférieure à 1 000 euros ou de ce qui pourrait être acquis par lot. Merci. Ça, c'était pour le plat de résistance. Donc, les résistances étant épuisées, je pense que on peut
peut mettre aux voix ce projet et faire confiance à notre adjointe aux finances, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Je devrais pouvoir vous donner la date du prochain conseil. Monsieur le maire. Oui. Simplement, alors on vote pas le compte rendu de l'ancien. Alors, pardon, là, ce que. Mais par contre, les autorisations. Alors, pour les DIA, oui, alors allons-y, oui, des questions. Non, non, mais. Non, non, y a-t-il des questions? Oui, pardon, c'est vrai que je n'ai pas mis en question. Pour les services. Sur les décisions du maire, oui. Exact, merci de ce rappel. Je crois que c'est, pas particulièrement, donc pas de questions. 12 décembre, voilà, nous y sommes. Et d'ici là, eh bien, on se retrouvera certainement pour l'inauguration des grilles du château de Graffigny. Sont assez sympathiques. Et du boulodrome, parfaitement. Beaucoup d'inaugurations en retard. Allez, très bonne soirée à tous. Merci de votre présence et à bientôt. Je vais chez l'ophtalmo. Merci, hein, merci. Chez l'ophtalmo au mois de janvier, il est temps, je vois rien. Je vois pas sur le tableau, je vois pas sur ton ordi. J'étais un peu dans le flou.